La Meurthe-et-Moselle est belle. Elle est riche de ses paysages, de sa nature, des plantes et des animaux qui la font vivre. Les plantes et les animaux ont besoin de nous et de notre protection. Nous, nous avons besoin d'eux pour nous nourrir, pour respirer, pour cultiver les sols, conserver intacts et vivants nos espaces de nature comme les prés, comme les forêts, comme les cours d'eau, mais aussi comme l'air. Nous sommes à la fois tous différents, mais évidemment tous complémentaires. Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, en protégeant la biodiversité et en animant les espaces naturels sensibles, donne le tempo. L'urgence, c'est de garantir les équilibres sur les territoires sensibles entre les plantes, les animaux et les hommes. L'important, c'est de regarder et donc de comprendre. Chaque plante, chaque animal, même minuscule, joue un rôle indispensable dans le puzzle de la vie. Dans la chaîne alimentaire, bien sûr, mais aussi pour nettoyer et fixer les sols, purifier l'eau, éviter les inondations, produire l'oxygène de l'air, stocker le carbone, polliniser les plantes, permettre d'imaginer les énergies et les médicaments de demain. L'homme fait partie intégrante de la nature. Il doit l'aider à s'épanouir, en la respectant, en utilisant ses ressources avec intelligence, en débroussaillant, en replantant. La découverte des plantes et des animaux est une récompense. Leur observation est une richesse. Les espaces que nous protégeons ne sont pas des sanctuaires, mais des trésors à parcourir avec respect et curiosité. Visites guidées ou libres, individuelles ou collectives, parcours pédagogiques, panneaux, plaquettes et ateliers, offres touristiques, nous privilégions l'information et l'accueil sur les territoires naturels sensibles. Certains sont même le théâtre de représentations culturelles, d'animations ludiques, pour tout public, profane ou sensibilisé. Permettez-moi de vous donner quelques conseils avisés pour bien en profiter. Bon voyage, messieurs, dames. Nos espaces naturels sensibles sont ouverts aux programmations scolaires. Le bonheur est dans le près, voire dans le tout près, à côté de chez vous et pour vous.